Et bonjour tout le monde, c'est Ximoz. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft. Et aujourd'hui les amis, je vais vous montrer comment transformer vos minecarts en voitures super stylées que vous pouvez conduire et tout avec des avions. Il y aura plein de trucs les amis et ça marche sur Minecraft Pocket Edition. Donc j'espère que ça va vous plaire. Comme d'habitude, pensez à lâcher un max de likes. Une vue est égale à un like et bien sûr pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sors une vidéo par jour, vous appuyez sur le gros bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. Ça me ferait super plaisir et merci beaucoup parce que vous êtes plus de 1000 à vous abonner chaque jour. Donc un énorme merci à vous. Je vous aime, plein de bisous. Donc les amis, Minecraft, là je suis sur Minecraft Windows 10, mais ça marche sur Minecraft PE, Minecraft console, Minecraft Xbox, Wii, tout, la totale. Et tout est dans ce coffre les amis, ça marche avec un add-on qui sera dans la description. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez juste à le télécharger et vous pourrez avoir les voitures dans votre monde. Il y en a qui spawnent naturellement, c'est un peu bizarre mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai mis une grande partie de ce qui présente l'addon dans le coffre. Et vous allez voir qu'il y a vraiment des trucs sympas. Donc regardez, on va prendre en premier le petit train. Parce que le petit train pour moi c'est le plus stylé les amis. Regardez ça, hop, on a un magnifique petit train qu'on peut conduire. Alors il faut conduire avec une clé, c'est pour ça que j'en ai pris plein. Donc là, hop là, on entend un petit bruit léger. Vous entendrez peut-être pas, mais ça fait un bruit de moteur, j'en sais rien, ça fait un bruit de tondeuse. Et voilà, on peut conduire un petit train. Et ce qui est encore mieux les amis, c'est qu'on peut mettre les wagons. Regardez, on peut les mettre n'importe où, ils vont se rattacher au petit train. Et ça c'est trop drôle. On peut faire un petit train, voilà, comme ça, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits wagons. Et quand on conduit, hop là les amis, vous avez vu, c'est trop stylé, non? C'est pas trop stylé? On fait la petite chenille comme ça. Tac, attendez, et là voilà, tous les petits trucs me suivent. Et je sais pas si on peut aller à l'intérieur comme ça. Oh si, on peut aller à l'intérieur, mais c'est encore mieux. C'est encore mieux les amis, on peut aller à l'intérieur. Et on peut faire une chenille gigantesque. Attendez, j'ai trop envie de faire une chenille gigantesque. Tac, tac, tac. J'ai trop envie de faire une chenille gigantesque. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Ah non, ça, faut que ça se colle. Ah non, il y en a qui se sont décollés. Attendez, là c'est encore collé, là c'est encore collé ou pas? Non, là c'est pas collé, merde. Alors attendez, on va les mettre un peu près parce que sinon ils sont pas collés. Tac, 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 tac. Je fais vraiment n'importe quoi, hein. Je fais vraiment n'importe quoi. Je veux que ça soit le plus long possible les amis. Oh non, je suis dedans. Hop, non, je vais pas être dedans moi. Moi je vais en poser. Hop, 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 voilà. On en met plein les amis, qui sont tous collés. Et là on va démarrer le petit train, attention. Les amis, c'est le plus long petit train au monde. On peut mettre tous les abonnés à l'intérieur. Regardez ça. Attendez, hop, je vais aller par là. On peut vraiment mettre tous les abonnés dans ce petit train. La fin n'est même pas, c'est même pas fini. C'est n'importe quoi. Oh, il y en a qui sont attirés, what the fuck. Il y en a qui sont attirés les amis. C'est n'importe quoi. Waouh, waouh, waouh. Attendez, je suis vraiment n'importe quoi, hein. Moi il faut à chaque fois qu'il y a un mode que ça parte en cacahuète comme ça. Donc voilà les amis, le petit train, enfin là c'est le très grand train, on peut mettre plein d'abonnés, on peut tous se mettre à l'intérieur comme ça et conduire, du coup c'est vraiment sympa. Donc c'était pour le premier véhicule. Premier véhicule c'était ça. Donc hop hop, on va le remettre. Deuxième véhicule c'est le Mine Train Engine. Donc c'est à peu près le même principe, sauf que c'est avec des wagons un peu plus classiques, regardez ça, hop. Et là on en met plein, tac tac. Ils vont se coller naturellement. Alors là ils se collent un peu n'importe comment, mais je crois que normalement après ils vont être un peu civilisés. Tac 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 tac. On va voir si ça marche. On va mettre les clés à l'intérieur comme tout à l'heure. Bim, et là ça marche ou pas? Ouais! Et là, on peut mettre plein de gens également. On peut mettre des gens dans chaque wagon. Et ça, c'est trop stylé. Tac, voilà. Et après, avec tous les abonnés, ça serait beaucoup trop drôle de faire ça. Attendez, on va en remettre. Tac. Ah, il se superpose. Ah, non, il se superpose. Là, c'est pas bon. Tac, on va faire ça. Ça. C'est beaucoup trop drôle. Et ça, c'est sur Minecraft PE. Moi, je suis, vous savez, vous me connaissez de base, je suis sur Minecraft Java et tout. Minecraft PE, ça m'intéresse pas. À part, voilà, là, récemment, je fais beaucoup de vidéos sur Minecraft PE parce que justement, j'aime trop ça. Je trouve ça trop stylé. Et franchement, les mods, ils sont vraiment trop bien. Donc, hop, on va y aller. On va faire le même petit train. Rassurez-vous, tous les trucs ne sont pas des petits trains. Après, on verra des choses beaucoup plus cool. Il y a des motos, il y a des bus et tout. Et ça, c'est vraiment stylé. Des bus en Minecraft, il y a même des voitures volantes. Donc voilà, ça c'était pour le second truc.
Alors second truc c'est fait. Maintenant on va passer au minecart, minicart, je sais pas quoi. On va passer à tous ces trucs là parce que c'est tous des véhicules qui sont bien trop stylés. Donc minecart, voilà, minecart, on a une petite voiture avec des roues, les phares qui sont jaunes, une petite pancarte, le volant avec tout ce qu'il faut les amis, le pare-brise pour pas se prendre des pigeons et un petit coffre à l'arrière. Et regardez ça les amis, je suis super calé dans ma petite voiture que vous pouvez vous-même avoir sur Minecraft PE, je vous le rappelle. Donc comment la démarrer, c'est la même chose, vous pouvez mettre une clé et là hop là, on a démarré la voiture et elle va super vite. Il y a même les roues qui bougent, c'est ça qui est trop stylé, regardez-moi ça. Il y a même les roues qui bougent et ça, oh là là, ça fait bim bim bim. On peut rouler sur les coffres. Bien, bien, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, les amis? Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec ce minecart. Je vais vous montrer ça juste après. Alors, bah, je vais vous le montrer juste maintenant, hein, pour vous montrer. Donc, en fait, on a à disposition avec nous des petits trucs color overlay Minecraft stickers, drippy face, nanana. Et vous allez voir, c'est pour pimper un peu la voiture. Alors, hop, hop, on va faire ça. Et regardez, si vous allez à l'intérieur de la voiture, eh bien, vous pouvez, par exemple, la colorier, et voilà, vous pouvez la colorier de toutes les couleurs. Le truc de base, moi je l'ai laissé marron parce que je trouve que ça va bien pour une voiture. Mais voilà, c'est très stylé. Vous pouvez rajouter des petits personnages. Alors, non, là c'est le coffre. Alors là c'est le coffre de la voiture, donc on s'en fiche. Là on peut faire ça, voilà. Et on a un magnifique sticker, regardez ça les amis. On a un smiley. Et si on change, on peut avoir plein d'autres choses. Par exemple des flammes, voilà. On peut avoir des flammes. Alors oui, c'est colorié en marron. Alors attendez, je vais rajouter une voiture parce que là, c'est un peu cassé du coup. Hop, hop, voilà. Je vais rajouter, hop, le sticker ici. Et là, voilà, on le voit beaucoup mieux. C'est vraiment trop joli. Un petit sticker de smiley, c'est mon préféré. Puisqu'après, regardez, il y a le bloc. Il y a le bloc qui est là, comme ça. Et il y a les flammes. Alors les flammes, je vais les récupérer. Hop, tac, tac. On va mettre ça ici. Alors on va mettre la clé. Et là on va mettre les flammes. Et là on a des flammes, donc la voiture va plus vite. Waouh. Ouais, vous voyez, la voiture va plus vite quand il y a les flammes. Il y a des slimes, on leur fonce dedans. Boum, boum les amis. Boum, boum, boum. Et voilà, donc ça c'est pour la première voiture. Et c'est une de mes préférées aussi. La seconde voiture les amis, c'est la même, sauf qu'elle est en minuscule. En minuscule, ça pourrait être pour mon fils les amis. On pourra se balader comme ça avec mon fils en ville et tout, regardez ça. Oh, c'est trop mignon. Et là, hop, on met, tac, la petite clé. Et là, je peux suivre la voiture et tout. Très, très stylé, en tout cas. J'aime beaucoup. Alors, maintenant, les amis, on va passer au mineplane. Alors, mineplane, ça envoie du lourd, les amis. Ça envoie vraiment du lourd, puisque là, vous pouvez voler. Vous mettez vos clés, et là... Hop là, c'est parti. Alors, je vous ai même pas fait une petite démonstration et tout. Mais voilà, vous pouvez voler. Attendez, oh non, j'ai quitté le truc. Oh non, j'ai quitté. Alors voilà, on va le laisser s'envoler. Mais le mineplane, je vais vous montrer à quoi il correspond. Donc voilà, un énorme phare tout à l'avant, une espèce de queue à l'arrière, voilà, et des élytras, enfin des boucliers pour voler. Donc magnifique pare-brise. On a un petit siège pour s'asseoir et on n'a pas beaucoup de commandes, mais quand même, ça reste plutôt sympa. Il est encore en haut, puis il continue de s'envoler. Et là, on va pouvoir survoler tous les véhicules qu'on a fait. Donc ça, ça va être stylé. Hop là. Hop, faut aller comme ça du coup. Faut regarder en l'air pour que ça aille plus vite. Et là, regardez les amis, on me prend de la hauteur. Tout comme le petit avion qui est juste là. On va essayer de le rattraper, tiens. On va essayer de le rattraper. Oui. Et là, regardez, on est déjà très 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 haut. Voilà, donc on peut descendre comme ça, on atterrit. Hop, on monte, on descend, il y a plein de trucs à faire. Donc voilà, ça c'était pour le... comment il s'appelle? C'est le mineplane. C'est le mineplane. Il reste le minebus à visiter, à regarder. Et après, il y a d'autres véhicules comme les voitures télécommandées, le kart, les motos. Enfin, il y a encore plein de trucs. Donc on va mettre ça, 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 ça. Voilà, donc il manque ça. Et après, on ira voir pour le reste. D'ailleurs, ça, du coup, c'était juste pour les voitures. Donc plus besoin. On peut mettre ça ici. Donc les amis, le minebus, c'est un de mes préférés aussi, parce qu'il ressemble vraiment à un bus. Donc regardez-moi ça, c'est marqué bus à l'avant. On a un grand espace pour mettre plein de passagers. Et on a des feux arrière magnifiques. Voilà, donc c'est super sympa. Les petits trous, comme d'habitude, il y en a 6, 3 de chaque côté. Il y a même un endroit, voilà, il y a même un endroit pour les passagers. Tout ça, tout ça. Donc il y a moyen de faire pas mal de choses avec vos amis. Pousse-toi le slime, pousse-toi. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant ce slime. Allez hop, piou.
Alors, on a des petites billes de slime. On va monter à l'intérieur. On met les clés. Waouh, tout, tout. On peut faire une visite du bus comme ça, c'est trop stylé. Et là, on conduit le bus, les amis. Je suis conducteur du bus pour vous amener tous à l'école. Et oui, allez hop, tous à l'école. Vous avez des heures supplémentaires, les amis. Heure de colle. Allez, on retourne tous à l'école. Hop là. D'ailleurs, dites-moi en quelle classe vous êtes. Moi, je suis en terminale. Voilà. Petit instant, je raconte ma vie. Alors, comment est l'intérieur? Il y a un magnifique volant. Alors, on voit la pancarte du bus. Je pense que ça, c'est le truc pour les clés. Et il y a d'autres petits trucs assez jolis. L'arrière, bonjour les enfants, vous êtes bien? Il y a des grandes vitres comme dans tous les bus. Ça change du petit truc là, hein. Ça change, ça change. Donc voilà, tous les véhicules. Dites-moi votre préféré, perso moi c'est celui-là j'aime beaucoup. En fait celui-là j'aimais beaucoup, je disais que c'était mon préféré. Mais en fait le bus est vraiment pas mal. Et alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les voitures téléguidées. Hop, 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 hop. On a les feux, on a les ça et on a les motos. Voilà, on a encore les motos, donc on va faire tac, tac. Alors, pour tout vous dire, les amis, moi, j'ai essayé de tester pour les voitures téléguidées, mais j'arrive pas à les faire fonctionner. Voilà, j'arrive pas à les faire fonctionner. Je sais pas pourquoi. Je sais pas c'est quelle touche qu'il faut utiliser, mais je n'arrive pas vraiment à les faire marcher. Parce que moi j'utilise la souris, la molette peut-être. Non, ça ne marche pas. Donc peut-être qu'on arriverait à les faire fonctionner, mais moi je n'y arrive pas. Voilà, donc elle roule vite fait comme ça, mais c'est parce que je les pousse. J'aimerais trop réussir à les faire marcher. Ah, peut-être on fait ça, justement. Tac, tac. Non, ça ne marche pas. Et là, il y en a qui restent coincés. Je comprends pas trop le délire. Moi, bon, les voitures téléguidées, j'aimerais trop savoir comment ça fonctionne, mais malheureusement, j'ai... Oh là, ah ouais, d'accord. Donc malheureusement, j'ai jamais réussi à les faire fonctionner. Donc petite voiture téléguidée, dites-moi comment on les fait fonctionner en commentaire et peut-être que plus tard, je vous montrerai. Mais les amis, il reste deux trucs très importants, ce sont les motos. Les motos et... Ah non, il reste le kart. Alors le traffic light, c'est pas très important puisque c'est juste des boîtes comme ça. Des boîtes avec des feux et tout, mais je voulais quand même vous le montrer parce que ça fait partie du mode. Tac, 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 tac. Ah oui, je suis un feu... Les amis, bonjour, je suis un feu tricolore. Je suis un feu tricolore. Tac, tac. Oui, je perds la boule un peu. Hop là, on descend. Et d'ailleurs, les amis, pour ceux qui sont toujours pas abonnés, eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important. Alors, maintenant, on va pouvoir utiliser le kart. Le kart qui peut... on peut mettre, hop là, une clé dedans et là... Ouah, le bruit. Ça fait un vrai bruit de kart. Ah mais il est trop réaliste, regardez les roues, elles sont plus carrées, elles sont bien rondes. On a le kart numéro 1, le tout gris. Et qu'est-ce qu'on a à l'avant? On a un joli volant, on a un très joli siège un peu rouge. Et les roues ici, il faut faire attention. Alors dites-moi si vous avez déjà fait du kart dans votre vie. Perso moi j'en ai déjà fait plein de fois du kart. Et c'est trop trop bien, vraiment. C'est comme dans Mario Kart les amis. Sauf que là c'est des vrais engins. C'est des vraies petites voitures à moteur. Et là tu démarres et ça fait un vrai bruit de moteur et tout. T'accélères avec la pédale d'accélération. Tu freines, tu peux tourner avec le volant. J'ai fait ça dans un vrai circuit comme dans Mario Kart les amis. Dites moi si vous avez déjà fait du kart comme ça. J'aimerais bien savoir. Donc voilà, un magnifique kart. Il est aussi très très beau. Et là on va finir par... Hop là, les motos, et on a un petit coffre à l'arrière, le petit truc pour s'asseoir, un bouton pour accélérer, le phare qui est très très bien fait, le guidon, les roues qui sont bien bien rondes, et on va pouvoir rouler sur les rageux les amis. Alors on va mettre des trucs dans le coffre, du coup dans le coffre on va mettre plein de clés, tac tac tac, voilà. Et là on va pouvoir rouler. Waouh, ça fait un vrai bruit de moto là aussi. Allez, là j'ai trop de flow là. Là j'ai trop de flow les amis. On va rouler, bien évidemment. Sur le slime, on va le taper. Allez, dégage! Tu n'es pas le bienvenu dans ma vidéo. Voilà, tac. Donc la moto bleue. Et là, on est sur la moto rouge. Donc même principe, sauf qu'elle est rouge. Donc dites-moi votre moto préférée aussi en commentaire. La moto rouge ou la moto bleue? Perso, vous connaissez, vous savez mon choix, les amis. C'est la moto bleue. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Mais les voitures télécommandées, elles me font trop penser à Rocket League. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui ont déjà joué à Rocket League, en fait, il y en a qui me diront. Mais pour ceux qui ont jamais joué, eh bien, c'est Rocket League. C'est un jeu où vous pouvez jouer au foot avec des voitures et ça ressemble beaucoup à ça. Voilà. Donc on va faire un kill @e, vous allez voir, hop là, tout a disparu les amis. Oh là, il y a des
trucs qui sont, voilà, il y a des petits slimes qui sont dédoublés, voilà. Donc les amis, dites-moi votre item préféré en commentaire. Voilà, on va faire un concours. Personnellement, j'aime bien la minecart de base, les mini minecart, j'aime bien le bus et ça, voilà, j'aime beaucoup. Il y a le kart que j'aime aussi. Enfin bref, il y a plein de trucs que j'adore. Voilà, le bus, il y en a qui sont dédoublés. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Bref, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. C'est le plus important. Et bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Oxymos pour Servir. Allez, ciao.